train de s'emparer du carrefour. Bon, 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 bon. Moi je suis argentin. Et équatorien. Ah, je suis serbe. Je suis romain. Bon, ça c'est une question qu'on pose jamais à un légionnaire, pourquoi on s'engage à la Légion. Qu'on respecte les règles et les codes d'honneur de la Légion, ben, bon, il sera accepté. Et chacun avec ses traditions, chacun avec ses habitudes, puis il faut qu'on arrive à. On mêlait toutes ces traditions, toutes ces habitudes pour qu'on travaille en équipe. J'étais parachutiste chez moi. Rien que pour notre spécialité dans l'assaut vertical, on est des troupes de choc. Pour être prêt. On est un des seuls régiments en France à être capable de monter un guépard dans une nuit et partir au petit matin. T'aimerais partir en Afghanistan? Ben oui. Là, c'est pas ça. Je suis soldat, non? Oui. Je sais. Come on, let's go.
véhicule suicide, on a vu, hein, il n'hésite pas, il roule vite et il fonce, passe sur le trottoir, il passe n'importe où. Voilà, et les trois véhicules étaient vraiment prêts, donc le premier et le deuxième, ils ont dû bien ramasser là. Bon, l'embuscade, c'est de l'acquis. Maintenant, vous allez voir pourquoi. Il faut savoir réagir à une embuscade quand on parle d'IED ou de VBIED ou d'attaque suicide. Donc, je rappelle, IED, c'est Improvised Explosive Device. VBIED, c'est la même chose, sauf que c'est avec des véhicules. Débra, ça va? Alors, tous les jours, hein, une petite séance d'étirement, c'est bien pour garder les bras. Sinon, vous allez voir, fin de, environ dans 10 jours, au bout de 10 jours de stage, commencez à avoir des tendinites pour les gens moins entraînés. Et beaucoup de fautes. La section, gardez-vous à disposition des gens en tomate. Le terrain ressemble beaucoup à l'Afghanistan. Un terrain très rude, difficile d'accès, et on s'aperçoit qu'on a quand même les mêmes procédés pour tout ce qui est combat, tout ce qui est cache, tous ces procédés-là, aussi bien sur un théâtre comme Djibouti que l'Afghanistan. Ici, il manque la haute montagne, hein, c'est-à-dire qu'il manque d'oxygène et tout ça, on ne pourra pas la trouver ici. Mais je pense que la rusticité du terrain et la chaleur, oui. On est tombé souvent sur des villageois qui avaient caché des munitions, qui avaient caché des armes et qui avaient des procédures particulières pour tout ce qui est récupération donc de ce matériel-là. C'est ce qu'on leur montre là aux stagiaires, ces différents procédés de récupération de matériel. Donc soit sous forme de cache, soit sous forme de boîte à lettres mortes pour tout ce qui est messagerie. Renseignement essentiellement, effectivement. Okay. Dans deux jours, ça sera bon parce que les talibans sera parti. D'accord, il n'y aura plus d'ennemis potentiels sur zone. Potentiel. Voilà. Non, c'est pas interne au stage, c'est général dans toutes les missions. D'accord. En Afghanistan, là, c'est pas des dromadaires qui jouent en Afghanistan, c'est des ânes. Pour faire des appros, les gens de les GCP du 8, ils travaillaient comme ça. Ils n'avaient pas de drone, mais ils avaient des ânes. On arrive à avoir pas mal de renseignements. Donc on a des personnels qui travaillent pour nous, des Afghans essentiellement, avec des échanges de bons procédés, des gens qui espèrent une accalmie sur le territoire, qui espèrent que le conflit va, une fois pour toutes, s'arrêter. Donc travaillent pour l'État français. Rien que pour notre spécialité dans l'assaut vertical, on est des troupes de choc. Ensuite, après, le REP en lui-même, il a ses spécificités vis-à-vis de ses compagnies, que même si on n'est pas engagé dans la spécialité de la compagnie, montagne, amphibie, il donne déjà une capacité opérationnelle en plus au REP. Mais réellement, notre force au REP, c'est on est un des seuls régiments en France à être capable de monter un guépard dans une nuit et partir au petit matin. 165 jours de l'année, on est là, si on n'est pas pris par les stages. C'est-à-dire qu'on est pressant. Le dernier temps, ça fait un an et demi qu'on s'est déclenché l'opération au Tchad. On a monté le guépard à 23h et on est parti à 7h du matin. Mandava, ça sonne quoi? Ça sonne quoi?
Pour le départ de la piste, on part avec dans l'ordre. 41, 42, 43. Comme d'hab, 41, 42, 43. Là, c'était à l'envers. Là, c'est 41, 43, 42. Et en 2004, on a formé une équipe là-bas. La preuve. Non, on a récupéré les autres groupes. Ouais, je sais qui vient avec le... Ok, on va faire comme ça. Pour aujourd'hui, comme c'est des jours, c'est 43. Tu mets les cailloux à l'intérieur. Ok. Ok. Ça pète. Allez, on y va. Tiens, là-bas, au bout, là. Deuxième bande. Bah, on fait un chaîne allongé là. Un chaîne pyrotechnique hein, avec des explos. Oui, ce sont des charges explosives. Voilà, les pains plastiques là, plus deux pétards à 250 grammes là. Doucement. On mettra en œuvre une charge allongée pour ouvrir une brèche dans le débarbolé, pénétrer l'intérieur d'un objectif et mettre en place une charge, une gêne et boîtier de jonction et retrait par la mer. Voilà. Merci pour le soutien. C'était la charge ? Oui. Parti. On y va. C'est bon. Et en avant. Ils sont pas du tout créatifs. Hein. Là, ils ont faim, ils cherchent la nourriture.
Pour vous, quoi. Vous voulez les points, mon capitaine ? De toute façon, que pour boire, ils ont besoin de même 33 maintenant, parce qu'il y a eu deux rapaces l'autre jour. Ouais. Carton de ration, 27 cartons de ration et 14 nourrices d'eau sanitaire. Pleine. Pleine. Bon cassoulet. Et tout le monde, nous sommes entre la Somalie, l'Éthiopie, bon, où c'est relativement calme, l'Érythrée, qui est en guerre depuis toujours avec l'Éthiopie. De l'autre côté de la mer Rouge, nous avons quand même le Moyen-Orient, où il se passe quand même pas mal de choses. Donc, même si effectivement la situation est calme à Djibouti et qu'on n'a pas d'ennemis déclarés dans la région, ben, on se prépare en permanence à être opérationnel le jour J. Le pays des extrêmes, et c'est réellement vrai, quoi. On passe d'une... Vous avez vu, là, il ne fait pas très très chaud. Et bien, cet après-midi, on va passer à 40-50 degrés. Donc, c'est vraiment la terre des extrêmes. Ouais. Tutto il lento, tava le sue dita. Le principe de la guérilla, c'est que le guérillero n'a rien avec lui, d'accord, il se nourrit sur la population, il va cacher ses mines chez elle, il fait passer ses messages par les enfants ou les femmes enceintes, comme ça on est sûr qu'ils passeront, etc., etc. Voilà, à la fois la ruse, le mélange civil-militaire, voilà, c'est très très compliqué. D'accord, le tube d'emprunt des gaz qui ressemble aux AK. Donc celui-là, on peut l'équiper aussi avec la baïonnette type 56, donc le calibre bien sûr c'est un 7,62. Donc une autre version, on reste assez proche des Russes. Celle-là, c'est la type 56, reconnaissable ici à sa baïonnette, d'accord, qui se trouve le long du garde-main. Et ben en permanence, on fait des fausses missions. Voilà, on fait chauffer les camions, on va à l'armerie, hop, on remet tout, finalement on n'y va pas. Et le coup d'après, on perçoit, on réintègre pas, puis on part 2 heures plus tard, etc. Tout est joué comme ça, d'accord. Justement pour essayer de tromper. C'est cet ennemi qui en permanence nous voit. Il y a le film qui est très bien fait là-dessus, qui est un bon exemple, c'est tout le monde l'a vu, la chute du Faucon Noir, hein, que tout le monde connaît. Quand ils partent de leur camp de base, là, même en hélicoptère, on voit tous les petits enfants qui sont dans la pampa là, qui passent un petit coup de téléphone aux cousins. Et les hélicos, ils sont encore à 5 bornes de la ville, que déjà tout le monde est au courant que l'armée arrive. D'accord, ben voilà, ça c'est typiquement un procédé guérilla. D'accord. Non seulement vous êtes arrivé en avance, mais en plus vous vous exposez au danger. Si on vous dit que c'est plus ou moins 5 minutes, c'est qu'il y a peut-être une raison. C'est que c'est peut-être entre deux patrouilles. D'accord ? Pensez à ça. Être et durer. D'accord ? Il faut durer. Ensuite, on verra qu'il y a certains aliments qu'il va falloir éviter de manger. Parce que ça va accélérer la transpiration, ça va accélérer la perte d'eau. Et le but pour nous, c'est de garder le maximum d'eau. Ça prend 30 secondes à être posé. D'accord ? Et ça marche à coup sûr. On dégoupille la grenade.
D'accord. On attache la grenade au fil à un point fixe. Et on vient là. Ok. D'accord. Tu mettrais ça en ligne, de, pas, je veux pas dire en ligne de crête, mais en bordure, histoire qu'il soit visu, qu'effectivement le gars qui est à son poste, il voit un fumigène sortir, ok, c'est chez lui, c'est dans son domaine. Hop, ouais. Eh, le barbolé, il coupe pas. Allez, on se dépêche là-bas. Le petit mystère mal. Allez, allez, on pousse, on pousse, on pousse. Ici, c'est ici que ça joue le chrono. On y va, doucement. Il faut que vous équilibrez là-bas. Allez, on y va. On y va. On se pousse au bout là. Allez, action, allez, voilà, allez, action, allez, allez, c'est pas ça. Attention. Là, on fait un tour. Allez. Encore, allez, un action, encore, 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 les genoux, qu'est-ce que vous attendez, les gars? Encore, encore. Ok, attention, plus devant, plus devant. Mais non, on y va. On va récupérer la corde de l'autre côté, les gars. Allez, 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 attrape ta soumission, attrape ta soumission. Tiens la chaîne, prends la corde là. Oh, tu me lâches pas. Tiens la chaîne, regarde. Aïe, 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 aïe. Allez, poussez les genoux, qu'est-ce que vous attendez là? Encore, encore. Ok, c'est bon. Vas-y, allez, donnez. Encore. Roule, roule d'abord, devant. Roule devant. Allez, on attaque là. Allez, on attaque là. On se laisse pas là. On y va, on y va, on y va. Arrêtez. Allez, Cossier, on y va, on y va. Monte, monte. Allez, les genoux. Allez, vas-y. Monte, monte. Oh, deux en bas, quittez les filets là. On y va, on y va. Laisse-toi venir. Descends jusqu'en bas. Super. Allez, on y va, les gars. Laisse-toi voir, ça dégage. Allez, là. Allez, allez, on y va, putain. Gros bras, t'as vu là? C'est bon, allez. C'est tari. C'est bon, laisse. Go back. On y va, Cossier, on y va. On y va, Cossier. Hey, c'est un mousqueton, hein? On y va, c'est bon, on le casse. Allez.
Bueno, bueno, bueno. Allez, on dépêche, d'abord, on dépêche. Allez, allez, quoi, c'est moi, avant. Ça roule, ça roule. Allez, 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 saute. Ok, on enchaîne. Ça va? Oui, ça va. C'est dur? Non, ça va. C'est un peu fatigant. C'est normal. Ah ouais, ça passe quand on transpire un peu. Ok, on enchaîne. Allez, 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 saute. C'est parti. C'est bien, je suis content d'eux. Ils sont les plus maigrichons, mais les plus rapides. C'est ça les bouts. Costel, mets-toi debout et bouge. On bouge. Allez, fais-toi des messieurs ici là. C'était dur. Ah oui, c'est la chaleur surtout. Je n'ai même pas fumé ce matin. Ça va? Oh, ça va. Gagner maintenant, peut-être. Maintenant, c'est tout mon contour, ça veut dire ça va. Bah, c'est dur, quand même. Vous pouvez m'acheter une bière après, hein, c'est bien. Hey. Ça va? Oui, ça va, c'est bien. Encore la nuit, nous fait des courses, c'est bon. Ça, là. Bien, Roger. Là, c'est bon, vous avez battu le record précédent. Tant pis pour les corbeaux. Hein? C'est bien, c'est un bon parcours. Des blessés. Pas de blessés. Section garde à vous. La section à la disposition de la section Antomarquis. Section à ma disposition. Section au commun repos. 4 km sous la carte, peut-être. Mais les cartes ici, ils sont depuis 1965.
Avance gauche. Ok, on y va. Dans un premier temps, c'est de renseigner précisément sur la nature et le volume de l'ennemi, oui, qui est situé à moins de 1000 mètres. Ils sont juste de l'autre côté? Ouais. Suivi vers unité, je suis en mesure de préciser le renseignement. Ma position située en 15364 unités. À partir de ma position, je suis en mesure du mouvement de l'ennemi. Avec vous ? Et vous avez entendu la distance ? Avec deux stations dans la main, tu fais quoi là quand il faut partir? Qu'est-ce que tu fabriques? Je te demande, qu'est-ce que tu fabriques? Mais je me bats les couilles de tes putains de merde. Tu les fais en courant, tes nœuds. Ça, c'est pour le cinéma. Ça. Hein? Ici, c'est au plus près, au plus efficace. Et je me casse. Non, ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Normalement, il fallait des munitions de l'équipe qui était derrière, non? Bon, allez, config. Eh! Bon, c'est là, mais. Ah, pis, bête, déjà. Ok. Ça va. Quoi, un peu quoi? Bon. Ça, c'est bon. Ok. Allez.
Pourquoi toujours la sécurité? C'est inadmissible de perdre un bonhomme à l'entraînement. C'est vraiment inadmissible. Pour moi. Si un jour on part à 10 et on revient pas tous, ben c'est la partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Maintenant, en entraînement, on peut perdre des mecs partout. Ouais. Parce que c'est quoi un accident? C'est quelque chose d'imprédisible qui arrive, on ne peut pas le prédire. Ouais. Maintenant, si, comme j'ai dit au départ, si au départ on n'est pas serein, qu'on a fait tout le nécessaire pour pouvoir parer à tout accident, au moins à notre niveau, je pense que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas de bon travail. Dans un passage particulier sur la piste, pense aussi à franchir tous les obstacles. Voilà, c'est tout. Attention, gardez-vous. Non, tout est bon. Vous avez encore de la peau sur les mains quand vous descendez. Là, ça veut dire que c'est pas bon. À fond. Où va-t-on? On va se diviser en trois groupes. Un groupe il va commencer par le début avec moi. Un autre groupe il va commencer au pot de singe. Tout en haut, les réceptacles que vous voyez là-bas. Et un autre groupe il va commencer avec un autre moniteur à l'asperge, les tubes métalliques qui descendent. Là. Et pourquoi ça s'appelle la voie de la conscience? Pour mettre la pression. Ouais. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Allez Matic, maintenant c'est à toi là. Fais l'assurance à toi, ce que tu prends là. Ah. C'est basta, c'est bon ou c'est pas bon? Ça va passer ou ça va pas passer? Putain, allez, monte les jambes là. Arrête de mourir là, putain, monte là. Monte tes jambes là. Allez, monte encore les jambes, les pas, les bras, les jambes. Qu'est-ce que tu branles avec tes mains, bordel? Les jambes montent. En avant, prends la position correctement au lieu de faire n'importe quoi là. Non, arrête d'escalader là. Hé, hey, t'as les feuilles dans le mur, bordel. Mets les pieds dans le trou là. Voilà. Putain, mais c'est pas possible ça. Encore un lit, tu vas voir.
chercher le lot et à monter en pierre. Si tu veux bien essayer de monter. Tu peux demander ? Allez Mathis, allez va. Allez va, là. Allez. Il y a un mec du jury derrière, là, il va te rattraper. Vas-y, Panine, si tu veux. Non, il va. Allez Mathis, tu peux t'en démarrer, il t'attend les chenilles là-bas derrière. Allez, suivant, en avant, en avant. Alors, c'est à dire, situation. Sors du vide. Assure-toi là. Regarde-moi ta mélange de langue. Regarde-moi ton truc. Arrête de te baliser là. Tire. Tantôt, en tout cas, tu seras le premier. Tu me rassembles tout le monde en bas. C'est bon? Hey yo, toi qui as voté comme ça, c'est le 10ème déjà. Oh, c'est le 10ème, il a dit que c'était toi. T'es arrivé là. Allez, regarde pas en bas, regarde devant là. Regarde ton moniteur là-bas en face à toi. Regarde, regarde le 4 chef là. Hey, touche pas au jerrycan toi là. Dans les sacs là, deux sacs, deux jerrycan en avant, aligné comme ça. Oui, à l'ultime encore, c'est nous. À l'ultime, ça va être dur. Il faut faire un vide. Maintenant, vous prenez le deuxième sac, vous posez par le sac respectif, par le binôme. Un partout là. Les barres avec le trou santé là. C'est bon, allez, c'est ça, bon. Ça va sur chameau. Ça va, voilà. Le gâte, oui, c'est bon. Il est bon ? Oui, il est bon. Départ dans 30 minutes. Ok. T'es toujours au bout de l'ouest de ce que je m'en vais reconnaître là. Moi, je suis toujours sur position que j'ai donnée en point GPS. Et là, je vais descendre au bout de l'ouest. Ouais, j'envoie. On est bien reçu. De toute façon, on doit venir en place. Sac à dos par le dos. Ça y est, il nous a vu. Oui, voilà, on va bien mettre. La mort sera devant. Noircira, ici noir parle. Ah, c'est noir, c'est Tango. Ouais, noir Tango, a priori, j'ai un avant rouge en soirée clair, ils sont plus trop loin du point, je crois. J'attends les coordonnées. On
Chamelier et elle serait dans l'Oued, au sud de deux Oued peut-être, au sud de ce point-là, reçu. Charlie, suivi. Allez, sur le roi. Nord Tango. Tango. Ouais, ils sont en train de s'emparer du carrefour qui est au nord de ta position. Tango, je suis, j'attends. Donc pour moi, ils sont à 600 mètres de toi, plein nord. Ouais. T'es petit, hein. Quand tu veux. Ouais, il y a des mecs. Pas les mains, parce que c'est l'épaule, si tu les prends les mains là, judo, comment tu veux qu'ils s'accrochent, bordel? C'est de la bête, abruti là! L'épaule, Matic, bordel de merde! Quand tu peux lâcher, lâche-moi! Allez, Matic, avance! C'est trop! Hé, Matic, toi, tu fais la rien là-bas, putain! Allez! C'est devant! Hé, go! Recommence! Tu vas apprendre à écouter et arrête de subir! Recommence! On te dit sur la tête en avant, c'est la tête en avant! Là, mon gars, je t'explose la gueule de contour dehors. La tête vers la bola! Espèce de pédé, là! Avant! Oh, Nash! T'as la misère, t'as Nash, putain! Laissez passer la gueule. Hey! Matic, regarde-moi! C'est pas les footings, c'est bon, allez, Nash! Maintenant, lâche les caporal chef, lâche les caporal chef et Nash! Pas de force, toi! Bien ici! Pas de force! Pas de force! Arrête de gueuler! Hé, Santos! On est pas des bouées non plus, hein! Bon, lâche un peu, joli! Nash, putain, Nash! Doucement, doucement! Pas de force! Quelle force, t'as pas besoin de force, Nash, bordel de merde! Allez, nage un peu, moi! Tu arrives par les, ça veut dire que tu lâches force! Lâche et flotte! Allez, c'est parti, les autres! Allez, vas-y, bon, allez! Ah, de pêche, tu crames là, hein. Hé, Matic, tu veux sortir? Allez, c'est moi, là, yo. Alors, décroche-toi, lâche là-bas. Toi aussi, les grossissons, là. Lâche-moi le poutre. Lâche les poteaux. Hé, la prochaine fois, ça va dans la tronche, tu dégages. Lâche les poteaux. Calme-toi, Matic. Dégage-le. Dégage-le. Tu n'arrives pas à te contrôler, ça arrive, dégage. Prends la corde et dégage. Allez, longe tout le parcours avec la corde. Allez là-bas. Prends-le, dégage-le. C'est bon.
Allez, allez, va doucement. Allez. Stage Caïd rassemblé à vos ordres, mon colonel. Première classe, Cosma. C'est pour ça. T'as bien marché. Félicitations. Merci beaucoup. Maintenant, vous pouvez mettre le brevet pour sortir en ville. Voilà, encore une fois, bravo. La main dessus, on prend un coup. Allez, la main sur le capitaine. Oh, c'est original.